Bonjour, bonjour les cafardinho, bonjour, bonjour les cafardinia. Aujourd'hui c'est Malek CSGO, comment ça va? Comment ça va? Le freestyle il était hal, on s'en bat les couilles, c'était freestyle. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Claqué au sol! Ouais, je sais pas, c'était nul, mais on s'en bat les couilles frère, on rigole. Ok, aujourd'hui le tuto va être sympathique, on va pas se mentir, mais avant tout, tu t'abonnes, faut s'abonner, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui sont sur Instagram, sur Twitter, envoyez-moi du lourd. Fortnite, code Malek CSGO, tu connais, hein. Code Malek-CSGO. Hop, on est là sur Mirage. Comment ne pas faire de bruit? Je vois plein de gens, enfin déjà il y a pas mal de gens qui me disent ouais t'as pas fait de bruit, ou des gens qui font du bruit. Quand vous allez tomber d'une caisse comme ça, hop, on va mettre le son. Ouais, ça a fait le step, hein, vous l'avez entendu. Là ça fait le step aussi. Bon, et si tu tombes de là, ça fait du step aussi. Bon, on s'en bat les couilles, c'est juste pour t'expliquer le concept. Quand tu tombes d'ici, voilà, ça fait un step. Pour éviter ce genre de choses, tu vas crouch et au dernier moment tu vas te mettre debout. Moi je préfère me mettre debout. Normalement t'as juste à lâcher le crouch, mais je préfère me mettre debout. Comme ça, ça me fait crouch et shift, d'accord, sur mon clavier. Donc là, les potes, je vous invite à tous regarder mon clavier. Control pour s'accroupir, d'accord, et shift pour marcher. Moi je fais control et au dernier moment, hop, je shift avec mon petit doigt. Donc je fais control et hop, shift, je monte. Voilà pour le move. Voilà pour le move. Maintenant on retourne sur le jeu parce que c'était juste voilà comment je vais le faire. Donc je crouch. Et là, hop, je marche, d'accord? Donc je fais crouch, shift, d'accord? Pareil, si je monte sur la caisse, regardez, je tombe, ça fait un bruit. Si je crouch, shift, ça fait pas de bruit, d'accord? Donc c'est super important quand vous êtes en mode biatch. Donc je vais vous expliquer un move que j'aime beaucoup faire. C'est-à-dire que je vais être là comme ça, et là je vais faire crouch, shift, crouch, shift. Et là, personne ne m'a entendu. Et ça vaut pour plein de moves, plein de maps, plein de situations. Donc là par exemple, si tu veux tomber, tu étais là, hop, t'es ici, tu sais pas, tu fais crouch, shift, oh, bah là tu vois, on s'est cogné fort, très très fort. Crouch, shift, bon là il n'y a pas besoin en réalité. Juste tu marches, c'est bon. Mais ici pareil, hop, crouch, shift, et hop, personne ne le fait. Donc moi le crouch, shift, je préfère le faire comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu fais juste crouch, et là tu lâches, bah des fois tu vas juste pas lâcher, crouch et je lâche. Je vais faire crouch, je lâche. Mais au dernier moment, des fois tu vas le faire trop tôt en fait. Et voilà, donc tu fais comme tu veux, crouch, shift, crouch, lâche. Bref, c'est de la musique, hein. On va faire un beat. Crouch, shift, crouch, lâche, crouch, shift, crouch, lâche. Bref, on s'en bat les couilles. J'espère que ce tuto vous a plu, c'est juste pour pas faire de bruit. Et c'est pareil pour monter sur les fucking caisses. D'accord? Pour monter sur les caisses sans faire de bruit. Donc là, quand tu montes comme ça, tu crouch, tu montes, tu shift. C'est exactement la même chose. J'ai oublié de le faire en fait. Je suis un fou. Crouch, shift au dernier moment. Tu fais pas de bruit quand tu montes sur les caisses. Et quand tu descends, pareil. Donc si tu veux faire ça, hop, tu crouch, hop, et tu crouch. D'accord? Tu crouch d'abord avant de monter. Donc là, au lieu de faire ça comme font les gens, tu vois, les mecs, des fois ils viennent, ils font ça et ils sautent. Et des fois ça fait un step. Quand tu sautes comme ça, ça peut faire un step. Donc, tu crouch, tu montes, et là tu shift. Voilà. Allez sur un serveur, j'ai montré comment lancer un mode d'entraînement comme ça. J'ai fait un tuto là-dessus. Donc si vous voulez avoir du temps illimité, des balles illimitées, etc., vous pouvez aller voir le tuto. Et quand vous arrivez sur ce serveur-là, vous pouvez vous entraîner à faire cette méthode. Super important pour vos moves, pour vos déplacements, pour essayer d'éviter de faire du bruit. Ça peut vous faire gagner un duel tous les 10 rounds, mais c'est un duel que vous auriez jamais gagné avant. Et tout simplement avec un peu de technique, c'est juste une aptitude technique sur les mouvements. Voilà, savoir surf, savoir bunny et tout, c'est compliqué. Mais voilà, juste savoir faire ce genre de move, ça peut être très utile pour pas faire de bruit, pour être bien, tu vois. Genre t'es là, tu veux monter ici, hop, tu veux t'en aller, bah, tu crouch et tu fais ça, quoi. Genre là, tu veux monter ici sans faire de bruit, hop, tu crouch et tu montes. Bref, vous avez compris, j'espère que vous avez aimé le tuto. N'hésitez pas à vous abonner, on veut grind YouTube. Donc tous ceux qui font du bouche à oreille, tuto Malek, spammez-moi vos listes d'amis, spammez-moi de story Instagram, spammez-moi sur Twitter, je veux du tuto Malek dans tous les sens. Et je vais vous remercier très très fort les potes. Il y a du giveaway qui va arriver, je vais essayer de faire des concours juste pour vous remercier. Voilà, un mec qui me fait des publications originales, qui me fait une story originale, qui me fait un tweet original, je m'en bats les couilles, je lui donnerai un petit skin CS, un petit virement sur PayPal, des trucs sympas comme ça, juste pour remercier ma communauté en ayant des petits jeux concours avec des petites interactions avec les gens qui me font plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je tourne en rond, mais j'ai pas envie de vous quitter, tout simplement. Je vous aime, les potes, et passez une bonne journée.